Hey, salut à tous, c'est Axelus pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une planète tentaculaire sur Starbound. Et je vous propose tout de suite d'y aller. Ok, donc direct un coffre. Une hache. Des trucs dégueulasses. Bon, bah. Oh, bah encore? Dis donc, ça m'a l'air pleine de. Pleine de bons, de bonnes choses cette planète. Donc, encore? Donc, je viens à peine de la découvrir. Hein. Je n'en sais pas plus que vous sur cette planète. Du céruléum. Intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du céruléum? Il y a aussi une musique en fond qui est totalement mais bizarre. Bon, vous reconnaîtrez qu'en fait, c'est un paysage plutôt bizarre, je trouve. C'est pas un truc forcément très. Je dis pas que c'est moche, mais c'est bizarre. C'est pas très très commun. Par contre, il y a beaucoup beaucoup de coffres. Bon, avec un petit peu tout et rien dedans. Vous allez me dire, mais comment c'est quoi ce minerai? Je pense que je vais en récupérer pas mal d'auriculum, je sais pas quoi. De céruléum. Corruption Dirt Block. Méchant, gentil. Méchant, méchant, méchant. Ils sont tous méchants. Hop là. Par contre, la gravité est plutôt bonne sur la planète. Oh là. C'est assez agréable d'avoir une gravité aussi rapide. Oh là là, c'est un gros filon ça. Ce sera un petit épisode de minage et découverte aussi de cette planète. Parce que j'en ai absolument jamais vu. Avec cette terre violette un truc bizarre. Ah mais elle bouge les lianes, enfin les tentacules. Oh là là, oui, ah, il y a toutes les formes, c'est un petit peu bizarre. En même temps, une planète tentacule, c'est pas très très c'est pas très très fréquent, j'ai envie de dire. Vous allez me dire, mais voilà, après on a cette musique en fond là, qui est totalement bizarre. Je sens que cet oiseau va m'en vouloir. Non. Je regarde dans les options. Non. C'est bizarre quand même. J'entends aussi fort une musique de fond comme celle-ci. C'est totalement bizarre. Et un nouveau coffre, dis donc. Ah, une électrogrenade. C'est pas très. Oui, bon, comme j'ai dit, il y a un petit peu tout et rien dans ces coffres. C'est toujours intéressant de voir des coffres. Toujours la surprise de savoir si on a quelque chose de bien ou si on a quelque chose de mauvais. En l'occurrence, que du mauvais tout à l'heure. Mais peut-être que quelque chose de bien va se dévoiler. Bon, par contre, il y a toujours les chunks qui sont dus à mon mouvement qui est trop rapide sur la map. Allez, allez. Mince, j'ai oublié d'installer un repère. Bon, c'est pas grave. Au pire, mon repère, c'est les tentacules. Non, je déconne. C'est une petite blague. Il y a tellement de tentacules sur cette planète que va-t-il repérer quoi, avec une certaine tentacule. Wow. On change carrément de biome là. Bon, là, il y a pas mal de fuel. Enfin, je dis fuel, mais bon. Dans ce jeu, en fait, le charbon ne sert pas. Enfin, il sert plus d'essence que de moyens pour créer des torches. Donc, très clairement, je préfère largement récupérer ça pour me faire quelques fuel, quelques petites. Prends cette musique est totalement bizarre en fond. Enfin, quelques petites pour me remplir mon. Comment vous appelez ça? Mon moteur. Mettre du fuel dedans. Non, y a rien. Un très joli igloo. C'est très joli. Par contre, je comprends pas par quel moyen on est passé du biome totalement tout rose avec plein de tentacules de partout à un biome neige tout blanc. Ah, on repasse au biome tout rose avec plein de tentacules partout et des bouts de terre. C'est très magnifique, c'est trop beau, c'est trop beau.
Tac, tac, tac. Bon, je récupère de la... Donc, je sais pas si cet épisode sera le dernier épisode ou bien ce sera la prochaine planète, la dernière. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait deux planètes différentes d'un même style. C'est la volcanique et la magma. Donc, peut-être que la magma dans un prochain épisode ou je sais pas. Faut que je regarde parce qu'il y a plein de planètes qui sont débloquées et je les ai pas toutes visitées. Hop, 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 hop. Ça a du mal à charger là. Attention. Oula, non, 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 non. Ah, quoique, une enclume. C'est plutôt intéressant. Bon, grâce au chunk, j'ai vu qu'ici, il y avait un petit quelque chose. Voilà. Merci les chunks. Une enclume, c'est plutôt intéressant. Donc, pourquoi pas ne pas y aller. Hop, on va faire une petite visite. Aux pirates. On va ranger tous nos petits trucs assez dangereux. Et normalement, il y a l'un des leurs qui est gentil, qui vend des armes. Je crois que c'est lui. C'est toi ? Ah. C'est quoi ça ? Ah, c'est un chapeau. Oh, pas trop terrible. Je sais pas. Il y a des pistolets qui sont plutôt intéressants. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là ? Il y a carrément une... intéressant tout ça. On va l'acheter. Voilà. Bon, après tout, j'ai de l'argent dans ce jeu. C'est pour essayer. Parce que là... Attendez... Je vais pas tirer un coup de feu maintenant parce que je pourrais risquer d'attirer la marmaille. On va attirer la marmaille. Puis si je meurs, et bien tout simplement, ce sera la fin de la vidéo. Mais excusez-moi, j'ai juste envie de voir s'il n'y a pas des petites. Voilà, voilà, c'est. Par contre, il y a cette musique en fond qui est trop bizarre. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi personnellement, ça me fait. Ça me fait une musique bizarre dans les oreilles. Tac. Attends, c'était quoi ça ? C'est quoi ce bâton ? Précieux. Ah non, c'est pas une marine arme. Bon, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite technique pour. Ok. Hop là. Vous allez dire que mes réflexes sont un petit peu. Aiguisé, mais vous avez totalement raison. Tac. Ici, on va mettre hop, un petit chemin pour monter. Et hop, on va péter ça. Voilà. Non, pas celui-là. Celui-là, il met une balle, je suis mort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bloc juste un petit peu en dessous. Ah, parfait. Hop là. Punaise, ce que je mets. Hop là, on les aligne tous. Hop là. Elle est plutôt efficace cette arme. Ah, je peux rester appuyé. Plutôt efficace. Normalement, dans l'un de tous ces gros monstres, enfin de tous ces oiseaux, il y en a un qui devrait me lâcher une arme que je suis comme ça assez fort. Allez, faut lâcher l'affaire là, les gars. Ah, là il y en a qui ont décidé de. À moi. Pourquoi est-ce qu'il monte là-haut ? Je comprends pas. Non, rien. Ok, attendez. On va juste se mettre ici. On va les attaquer. Parce que moi, on aime
jette. Pas. Comme ça. Paf. Tac. Allez. Bon, ok, mais je ressors l'arme. Ils sont un petit peu le goût, là. Voilà, ça c'est le boss. Bon, il est un petit peu nul à chier. Oulala, mais hé. Je crois que vous avez rien compris, vous. Oh, oh. Un pantalon pour moi. C'est un pantalon de pirate, c'est le pantalon que je n'ai pas eu. Oh, comme c'est magique. Ouais, voilà. Moi, j'aime des épées comme ça, des coups d'épée comme ça. Stack. Wow. C'est quoi cette épée de malade qu'il a dans les mains? Ouais, juste. Attendez, on va juste l'allumer. Tac. Une poigne d'une banane. C'est pas un homme singe pourtant. Wow. Je comprends pas. Moi mes armes elles font du 1, du 2, du 5, grand maximum. Et lui il me fait mais. Attendez. Tac. Je crois que j'ai la full tenue, me semble-t-il. Tac. Et c'était un haut blanc. Que j'aurais peut-être perdu. Ah non, c'est celui-là. Pirate jacket. Et voilà. La tenue du pirate. Mais je pense que c'était un très bon moyen pour conclure cette vidéo, mesdames, messieurs. Je ne vous dis que de passer une très bonne journée ou bien une très bonne soirée. Tout dépendra au moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis ciao, salut à tous. C'était Axelius. En fait, cette planète. Quelque chose me dit que les matériaux qui sont dessus doivent être particulièrement solides. Genre ouais, c'est parfaitement solide. C'est assez...